Eh bien, ce serait donc depuis la dernière mandature, donc ça fait finalement 4 ans. À l'issue de la dernière mandature, donc il y a 5-6 ans, Loïc Malivet avait essayé d'amorcer une sorte de renouvellement au sein de la Fédération des éleveurs. Il avait parlé à pas mal de gens de ma génération pour essayer de participer aux instances, parce que finalement, c'est de l'intérieur que les choses se passent et c'est de l'intérieur qu'il faut essayer de faire bouger les choses. Le sujet de l'emploi, effectivement, on en a beaucoup parlé d'abord au sein des écuries de course. Tout le travail de la fédération, ça a été justement de se mettre en lien avec la FASEC, de pouvoir partager avec elle les besoins de la filière, les besoins en volume et les besoins aussi qualitatifs pour essayer de monter ensemble les formations adéquates qui puissent, voilà, vraiment servir les élevages. Donc il y a eu tout ce travail qui a été fait en coopération avec la FASEC qui commence à porter ses fruits avec les premières formations. Et il y a eu un travail notamment fait avec l'IFCE, juste voilà, pour essayer de monter ensemble les modules et faire un peu la passerelle entre les élevages, leurs besoins et les outils de formation qui sont à notre disposition. Bah, je pense qu'il faut continuer vraiment à travailler sur ce lien besoin et formation pour vraiment qu'on puisse améliorer qualitativement aussi le personnel de Noara. Je pense encore plus faire la promotion de nos métiers. Voilà, là, je pense qu'on a sûrement un peu de levier là parce qu'on n'attire encore pas assez, à mon sens, par rapport à tout ce que nos métiers ont à offrir. Et après, sûrement, pour les directeurs de haras, les managers, je pense qu'il y a aussi encore un peu de marge de progression sur nos techniques de management. C'est surtout concentré ces 4 années sur la formation, sur essayer de pouvoir former les gens qui rentraient entre guillemets, dans la filière. Je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus travailler sur la promotion. Parce que les gens rentrent beaucoup pour la partie course, pour la partie jockey, qui est entraînement, mais rentrent pas donc, et ils peuvent se convertir. Mais je pense qu'il faut qu'on attire plus des profils élevage purs. Ça, il y a un gros travail de promotion et un gros travail de fidélisation. Je pense que c'est les deux sujets sur lesquels on a le plus à faire.